Aïe, aïe, aïe. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bien content d'entendre nous. Jeudi, c'est mardi. Non, je dis mardi, non, mais jeudi, c'est jeudi. Et. Qu'est-ce que ça va? 14 décembre. Mardi, c'est m'en aller. Mardi, c'est m'en aller net. Donc, nous sommes séparés, tant pis, je là pour décembre, m'en aller net là. T'allais nous tomber dans Noël, et puis dans Noël là, nous tomber dans le 1er janvier. Bon. L'année termine à sa fin. L'année a terminé. Nous allons dans le point cap de l'actualité à ici aux États-Unis. La Chambre des représentants américains a voté pour commencer officiellement une enquête pour destituer le président Joe Biden. Ça dit ça me dit? La Chambre des députés américains que les républicains ont contrôlé avec une marge tout mince a voté pour que vous commencez une enquête officiellement pour destituer le président Joe Biden pour certainement et en accusation comme quoi il a facilité petit lit en parlant de Hunter Biden, l'élite vice-président américain sous l'administration Obama, il a facilité M. Juin aussi de affaires en Chine et en Ukraine. Bien que le président Biden dit que ça n'a pas qu'un bébé, il y a un autre parce que il était de faire pour aider les peuples américains, mais il n'y a pas faire les cœurs chercher et persécuter pour les peuples qui pas même des fondements. De toute façon, après que la marge que les républicains ont contrôlé la Chambre des représentants, dit tout mince, donc alors, il y a un bas à marcher. Si la Chambre des députés a fait une enquête, il met une enquête là et il veut voter pour. Et mettre le président en accusation. C'est ça qui a débouché sur des décisions. Donc, il faut que mette en accusation d'abord. Ensuite, après l'accusation, il y a le Sénat qui va ériger en haute cour de justice avec le président pour suprême lui-même qui va présider la séance. Ça a passé déjà, ça arrive à 4 présidents américains déjà que. Que tentative de fait pour destituer et se voir il y en a dans l'ancien président Donald Trump. En parlant d'ancien président Donald Trump, on a dit que le jugement civil qui a fait contre lui-même dans New York, le jugement ça est fini et le tribunal a prononcé son sentence et en janvier ou bien encore dans l'année 2024. Là, on a appelé l'année 2024 là, son année électorale. Il y a pile élection d'abord aux États-Unis, il y a une élection en République dominicaine, il y a une élection tout et il y a une élection tout au Venezuela et très probablement il y a une élection en Russie. Donc c'est un paquet d'élections et donc cap gain pour année 2024 là. Donc États-Unis a pas pour faire élection, donc ça veut dire que son année cap chaud. Donc président ancien président Donald Trump n'a rappelé que c'est lui-même qui a mené dans intention de vote parmi candidats républicains yo cap chercher nomination parti a. Donc monsieur devancé tout le monde qui est là, devancé vraiment même doublé yo tellement que le gain a avance sur. Donc probablement ces candidats potentiels qui capable représenter le parti républicain dans l'élection présidentielle face à la candidat parti démocrate qui était certainement c'est président sortant, on a parlé de Joe Biden. Donc c'est la mouillée et puis pour suprême dans tout, entre temps, par exemple, nous l'autre procès qui a fait contre l'ancien président Donald Trump, eh bien, et le commissaire gouvernement qui a manqué de son relaté, alors le président Donald Trump a fait valoir Douale. Que il pas capable poursuivre en justice pour action qu'il était posée en tant que président parce que les gain immunité en tout cas et pendant qu'il t'a parlé en appel en tout cas et comme ce gouvernement lui-même lui porter dossier devant la Cour suprême non on était parlé de ça en conscience maintenant et bien et Cour suprême a dit que il pas regarder pour voir est-ce que son bail que il attendait pour pas attendre et bien finalement hier soir Cour suprême a décidé que pas attendre dossier ça. Donc, avocat, ni commissaire gouvernement, ni avocat président et ancien président Donald Trump, il ben, va présenter car pour montrer que, effectivement, le président Donald Trump doit bénéficier, l'État doit bénéficier d'une immunité en tant que
l'elle te pose action, il te pose avec les salités président des États-Unis, c'est en qualité, donc il n'y a pas d'abri possible. Donc nous allons attendre pour notre décision que le Cour suprême va gagner pour le prendre sur le sable, mais c'est un dossier qui peut aller rapide, et c'est ça que l'enquêteur ou l'enquêteur général là, procureur général là, c'est ça que lui demandait, il demandait pour que le Cour suprême entende des dossiers rapides au lieu que pour t'entraîner, parce que nous allons entrer dans l'année électorale, donc pas d'amener rien fait, et c'est ça que priorité, quoi que l'ancien président a fait. L'elle dit qu'il va aller en appel, ça a pas longtemps, ensuite puis aller dans la Cour suprême. Donc, je tout traversé l'autre étape là, il boule une étape et il aller directement dans la Cour suprême. Et la Cour suprême, ça c'est d'accord pour le temps des dossiers. OK? Et ça vient encore dans le point actualité sur le plan international que moi, tu as aimé participer avec nous de ça. Et puis, il y a un président, Vladislav et Vladimir Poutine, et M. dit lui-même, la guerre, il n'y a pas de guerre en Ukraine, tout autant pas réalisé l'objectif. Et puis, l'Union européenne, l'Union européenne, il a fait jeudi, 14 décembre, justement, pour un fonds d'assistance pour l'Ukraine, dans le cadre d'efforts, il a fait pour assurer tabac l'argent, pour permettre d'acheter des munitions pour continuer la bataille. Avec la Russie, nous sommes capables de battre la Russie, mais il faut des moyens et techniques, financiers et financiers assez pour y acheter des armes pour être capable de battre avec la Russie. En parlant de ça, nous avons dit que le Congrès, par exemple, confond l'argent que l'administration a demandé, la Chambre a demandé au Congrès pour le pour le voter, pour le bail en assistance financière, c'était près de 163 milliards de dollars. C'est 63 milliards de dollars là-dedans, une partie pour l'Ukraine et l'autre partie pour Israël. Eh bien, et président, eh bien, les républicains ont demandé président de ne pas voter, tout autant qu'il ne pas bail l'argent tout pour sécuriser les frontières États-Unis partagées avec Mexique là, sous façon immigrant à rentrer aux États-Unis qui est. Et puis tout, et pour les changer tout politique, les gens sous façon que les États-Unis aient un asile pour entrer aux États-Unis. Et selon les dernières nouvelles, il a semblé que les États-Unis ont été d'accord avec. Et il a semblé que le président Biden était d'accord pour céder, pour faire concession sur la République pour capter de l'argent pour l'Ukraine. Donc on a une guerre Ukraine qui a demandé la République, qui a demandé pour ça que nous voulions battre avec l'Ukraine, mais ce n'est pas l'Ukraine qui est là-bas. L'Ukraine, c'est choix de bataille là, mais c'est là aussi quand même que, qui est dans la bataille. Et c'est là une Europe, la place Europe par l'argent, et que la République pose des conditions pour que l'Ukraine soit là-même, mais il semble que l'administration est d'accord, mais les démocrates ont déjà critiqué l'administration en tant qu'il a cédé. Les républicains ont sens ça pour modifier les règlements sur par exemple l'asile, pour l'argent pour sécuriser les frontières. Que d'ailleurs, l'administration ancien président Donald Trump a commencé à construire une muraille sur les frontières et les États-Unis partagé avec le Mexique. Là. Et puis, les États-Unis voient actuellement un envoyé spécial. En Israël, justement pour convaincre Israël, pour faire comprendre que n'est pas capable de tuer les civils sans garder, n'est pas capable de tirer comme ça sans garder, et puis côté grand civil qui est victime, dans la peine contre militant Hamas, et que Israël dit lui-même, il peut pas demander ça, il ne pas faire ça, il dit qu'il va suivre de l'ordre, côté plus haut à le cacher, mais il semble que côté à le cacher, tout le monde de temps en temps. Et les soldats israéliens la guerre moitié dans son nom. Et le ministre de la Défense israélien qui dit que la guerre est capable de longue, il a fait tout effort pour être capable de protéger les civils, mais il dit que ce combat qui est aussi facile, mais il a fait ça capable pour protéger. En tout cas, en attendant qu'on va essayer ça aux États-Unis et libérer et pour être exigeant. Justement pour le convaincre plus sans pour cibler, bien cibler exactement le monde qui a besoin. Et éliminer, c'est un masque qui a besoin de démantibiler, mais il faut que vous protégez la population civile. Là. Donc, c'est ça que l'administration américaine a exprimé inquiétude dernièrement, même le président Joe Biden pour la première fois, a fait des commentaires en public pour exprimer comment que le patron n'est pas pris, mais façon que Israël a géré la guerre et surtout avec la quantité civile qui a mouru dans la guerre que Israël a mené contre militants à masse. Nous voyons un pays, on va signer l'autre bagaille.
Nous voyons dans le pays d'Haïti, et bien, délégation éminente. Je vais les délégation CARICOM, non, et bien, monsieur, mandat, mission a fini jeudi 14 décembre, non, sans que vous pariez convaincre parti politique, ou bien leader politique, et que ce soit ce gouvernement, ou cap soit le gouvernement, ou cap soit le pays, et à aucun son, non, et bien, deux partis ont fini pour deux. Je ne sais pas si je suis sorti, je ne sais pas si je suis malgré que je suis en mettre un document qui était gagné là-dedans et façon de penser que la crise politique a été résolue. En tout cas, chaque monde était sous position par eux, il a accusé l'autre là, il a pris l'autre responsable, et il a dit l'autre là, c'est pas moi qui est bon, c'est pas pour là qui est bon. Donc finalement, CARICOM quitte la commune habite, eh bien, il va tomber. Il va tomber, monsieur, pour retourner. Est-ce qu'il y a pour tout en Haïti encore après ça sur ces documents encore, nous ne connaissons pas, mais je dis que vraiment c'est une situation très complexe. Et les tout acteurs comme sous position par eux. Alors, en jeu à ces surtout, qui forme de gouvernement qui doit gagner du GPIA, qui a fait de qui pouvoir et ACTA au Conseil de transition de gagner, encore carré comme dans qui gagne monde qui m'a dit pour le pouvoir avec tout. Pouvoir président de Guinée, donc ça veut dire que l'Iguin doit nommer, racheter, couper. Il y a un monde qui dit que lui doit une responsabilité limitée. Il y a un groupe qui est d'accord à ça. Par exemple, il était d'accord, peut-être Gomba, que peut-être tu es d'accord que pour élargir à CETA qui est pas même là actuellement, il était d'accord pour mettre la 5, comme de proposer un haut conseil de transition à 7 membres. Qui a bon pouvoir présidentiel avec un premier ministre, mais il semble que le premier ministre, c'est simple que c'est tapé actuel premier ministre, et Dr. Ariel Henry, qui est le premier ministre, là. Et l'autre partie qui n'est pas d'accord, qui dit modicus Ariel, solution pays n'a pas passé par Ariel, et le premier ministre Ariel Henry doit démissionner, il n'est pas de faire partie du prochain gouvernement, et puis il a tout demandé à ce que lui de répondre avec convocation à la justice faire parce qu'il t'a semblé qu'il est non cité. L'assassinat président Jovenel Moïse. Tout ça a fait dans le moment tout. Et M. Bandi, Negame, continue à suivre la terre, activité kidnapping, continue tout, même si vous parlez en moins de yo, mais quand même, il continue à fonctionner. Gagne, par exemple, sortie sud capitale là, et qui sont en enclave, que c'est un passage unique, et bien monsieur contrôle les zones à côté que il a collecté l'argent dans mes automobilistes pour payer pour le fait d'automobilistes pour payer un autre passage. Donc ça qui vient dans une situation un peu difficile pour usagers, pour passagers, par exemple pour consommateurs qui ont même très vite pu déplacer de un point à tout l'autre. Le canal dominicain, canal souris, massacre a continué. Donc ça a des fonds campés pour raison quelconque, des fonds campés à cause des problèmes matériaux et surtout si moi j'ai été gagné, et bien bon, le problème dans l'Iguerre est résolu et la construction est continuée. Donc nous allons répondre à des réactions des leaders politiques qui ne semblent pas participer dans le dossier CARICOM, non, et médias sont CARICOM, non, parce que les États-Unis disent qu'ils supportent CARICOM dans le travail à faire. Mais et nous allons répondre à des qui position acteurs sur le dossier, mais pas grand exotique. Et pendant tous 7 jours de négociation, pas grand personne au monde qui t'a parlé, toutes questions que je vais essayer de poser. Et bien, monsieur, pas de répondre, c'est ça qui fait qu'on n'a pas de solution. Mais au fond, pas de aucune solution. Et puis, ça qui vient encore, je dis à la parole, je dis à partir de mes débats, question sur la parole, nous parlons fort de tout, voir l'opinion population, tout ce qui s'est pensé. Parce que nous apprenons que mon yoté, un groupe n'était en train d'en côté négociation de la fête là, mais déjà a commencé à faire, monsieur a commencé à jouer et leader politique qui était là, bien acteur politique qui a commencé à jouer. Et puis bah, là, tout le monde gâté et c'est la possibilité où il est venu, même pour être même sauvé avec quelqu'un dans monsieur pour éviter que le peuple s'ouvre pas bio cap pas passer à l'infinitif, mais quand même pas de bâle quelques calottes ou bien encore pas de bois de yo et de ce qui va en bas. Quand il y a tout le monde qui a commencé que tu avais une solution à la crise politique là, et avant saison fête là, dans fête là, avant saison fête là, qui t'a poussé comme un cadeau, mais ça va faire, donc tout le monde a recommencé encore. Mais acteurs, chaque monde, comme je vous disais, chaque monde est fierté par eux.
et le fait que yo pas d'accord yo rejeté position CARICOM Nantes comme CARICOM rejeté comme monde qui a supporté ou un groupe qui a supporté Ariel premier ministre Ariel Henry yo pas d'accord avec position CARICOM Nantes parce que même yo voulait assurer qu'il y ait un seul gouvernement, un gouvernement avec une tête parce que et CARICOM proposé un pouvoir qui a gagné exécutif qui a gagné deux têtes là-dedans donc ils ont accepté un pouvoir présidentiel et bien avec un premier ministre qui va former un gouvernement avec une participation et classe politique là-dedans dossier à suivre qui tout était tout l'ouvrir est-ce qu'il y a encore que me de parler avec tant que me pas qu'on dit non et non. Donc, je suis pour surtout, et puis, une délégation et directeur de police nationale là, M. Franck Serbe, il est en tête d'une délégation qui a visité Nairobi le 13 ou le 15 décembre. Et alors, des visites ont fait suite avec une visite d'une délégation Kenya qui a fait en Haïti, côté en cas de planification. Arrivé et force multinationale américaine dans notre tête. Donc, il était invité pour l'instant là, il était invité pour son salut. Donc, nous avons mis une justice à l'époque pour la lecture. Donc, il est allé dans la délégation ça. Côté qui était certainement, et il va discuter avec l'autorité kenyane. D'après ça, dans ce sujet, il fait connaître. Et le militaire kenyane est arrivé, en fait, force multinationale là, est arrivé en Haïti dans le premier trimestre année 2024. Là. Et il y a tout comité, responsable du comité de sanctions des Nations Unies sur Haïti, et bien M. Babi et tout, et pour la situation politique en Haïti, tant que ça prend pour que la force soit déployée. Et puis, les Babi et tout, peut-être gang qui est censé contrôler, et puis fort dans le pays, il va se faire pour le fait, pour ça aller pour admettre l'autre dans des autres. Voilà, c'est ça pour nous, et puis c'est ça, et puis ça. Mon service pour nous après-midi dans le journal là. Et 4 heures sur télévision, ma grande surprise pour nous. Donc, c'est la fête. Bye bye tout le monde, passez bon après-midi. On a parlé toujours, rappelez que tout le monde ensemble avec nous, on a salué chacun côté de l'IA, côté de l'IA, que les vacances, on a salué encore une fois. Bye bye tout le monde, bonsoir. Bonsoir.